C'est l'heure de la dernière clope. La dernière clope. Regardez, regardez ce qu'il a encore fait, ce chat de merde. Il joue avec le PQ. Il est où ce con là? C'est un grand jour. Je viens de repaumer une deuxième fois mon portable. Ça fait une demi-heure quand je cherche dans ces buissons pleins de pisse là. Et regardez où il était. Ah mais compte ta grand-mère là, putain. Compte ta grand-mère là. Ce qui est génial avec cette voiture, c'est qu'il gèle. Mais à l'intérieur de la voiture! Pourquoi? Putain! Putain! Voilà, je viens de découvrir la plus grosse expérience inédite de toute ma vie. Attention, vous êtes prêts? Ah, j'ai déposé mon CV à un mec dans un resto, un patron, il m'a dit « Franchement, je peux pas prendre votre CV, je vais vous le rendre, hein, d'une manière très gentille, très polie, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. » Sauf que pendant qu'il me disait ça, il a plié mon CV! Et qu'est-ce que j'en fais, moi, après? Tu le plies, mon CV! Qu'est-ce que j'en fais, moi? Espèce de connard! J'ai un découvert de moins 174 euros! Est-ce que tu crois que je peux me permettre de gâcher des feuilles comme ça, là? Ça m'a coûté 8 euros, la pression, là, pour 20 pauvres feuilles de merde! Pitié! Oh! J'ai reçu le ravitaillement! La way! Regardez-moi ça! Les oméga 3, hein! Là, y'a quoi? Ça, ils sont là, les oméga 3. J'ai même eu de la mélatonine. Ça va m'aider à dormir. Avec ça, je vais passer des nuits de fou. Je vais me lever à 6h du matin. Regarde, j'ai même un cadeau, putain. Live, les canards. Une maman canard avec ses petits canards. Dans mon ruisseau à côté de chez moi. Incroyable surprise. Ah, le chat qui guette tout. Regardez-moi ce chat, il est à l'affût, il est concentré, le chat. Non, il s'est assis. Incroyable surprise. Jean-Marie Le Pen semble devoir être le candidat. Ton livre, il est illisible. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va à la montagne. Regardez-moi ça, Michel, si c'est pas magnifique cette vue. Attention, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Attention, on arrive dans des vues méga panoramiques. Je fais même pas gaffe aux autres voitures. Regardez-moi cette vue incroyable. On vient de me dire après que Gorce, c'est la campagne. On va monter là-haut. On a monté là. Je suis un peu crevé. Regardez, ce petit truc merde là, c'est la voiture là. Bon, c'est super. Alors, j'ai le liquide de refroidissement là, qui m'a mis que c'était beaucoup trop chaud. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est de mettre le chauffage à fond, sauf qu'il fait 45 000 degrés, et que je rentre dans un tunnel à ce moment-là, putain! Ce qui fait que je suis obligé de fermer les fenêtres, et je commence à suer, voilà. Oh, merci. Ah, Radio Campus, faites quelque chose! J'en peux plus! Les hommes sont méchants, la mesquinerie, Babylone, les gueules. Wow, y'a Radio Campus qui vient de m'ajouter sur Snap. J'ai un message pour vous, les mecs. Arrêtez de mettre du raga! Si vous croyez que tous les étudiants ils veulent écouter du reggae et avoir des dreads, vous mettez le doigt dans l'œil, les mecs. Moi, ça fait 2 ans que je suis à la fac. Vas-y. You suck! Regardez le truc incroyable que j'ai trouvé au grand frais. C'est des pâtes multicolores. Et c'est génial. Wouh! Magnifique pâte colorée avec la sauce, la sweet sauce, jeune chili fish. Hashtag à voter. Moi aussi j'ai voté, regarde là. Là. Je le mets parce qu'on m'a demandé de le faire. Parce qu'il y a des pauvres cons là. Ah, maintenant tout le monde met qu'il a voté, hein. Il y a 2 mois, tu posais la question à n'importe qui, te répondait « Mais je vote pas, on est dans une société monarchique, ça sert à rien de voter de toute façon. » Eh ben, voilà, tout le monde est un mouton, et moi aussi je suis un mouton puisque j'ai voté. Comme tout le monde. Mais heureusement, pas manger. Il y a un gros morceau de viande. Petit framboise. Alors fais tout péter. On va faire le dos. Incroyable surprise. J'ai acheté un paquet de clopes. Alors à tous ceux à qui je dois à peu près 20 000 clopes, c'est maintenant ou jamais, hein. Message à tous les pignoufs qui prennent poulet teriyaki au Subway. Alors non seulement c'est plus cher que de la dinde, mais je confirme, là je viens d'en rouler un, c'est moins bon. C'est pas bon.
moi ça. J'invite des amis et ils laissent tout leur bordel dans ma voiture. C'est quoi ça? Tchekar, y'a du bon shit. Du bon shit. Tchekar, y'a du bon shit. Du bon shit. J'ai 40 balles. Ok, elle m'a encore dit, vous êtes dans le rouge, bah évidemment, 110 balles de frais de découvert, c'est quoi ce bordel, évidemment, tiens, fuck Macron, tiens Macron, tu prends ta mère, et tu rentres bien là-dedans, tu prends ça Macron, voilà. Libonipini, la cicciolina delle panni. Ah voilà, donc j'ai craqué, hein, parce que là, à force de recevoir des snaps de poupe, de machin, de salade, de verdure, de mes couilles là, moi j'en veux aussi, j'en ai marre, hein. De toute façon, les bulots du Leader Price n'ont rien à envier à ceux que tu peux trouver dans un petit resto en bord de mer, hein. Voilà, c'est juste parce qu'il y a une boîte bleue. Alors tout de suite, vous voulez savoir c'est quoi le pire dans tout ça? C'est le prix. Il est nul. De toute façon, je suis déjà malade, hein, voilà, donc il peut rien m'arriver. Voilà. Bon appétit. Attention à la remix. Arrêtez de vous reproduire. Oh, Le Pen, t'es fatigué, hein. Elle est fatiguée. Et regarde. Regarde ça. Il faut nettoyer le costume, hein. Putain, je vais attendre que le Macron, il parle, là. Pour qu'il bave. Il va baver. Putain, il allait baver. On a remis Le Pen, là. Je voulais le baveur, moi. Je m'en fous. Allez, bave. Mais je rêve. Il bave, le gros porc. Ça y est, ça bave. Marine Le Pen est en train de se faire rétamer par un baveux. On va élire un baveux. Vas-y, la machine à bave est en marche. On sent que ça tourbillonne là, ça tourbine. Bon, Macron va gagner. Marine Le Pen a perdu face à un cube. Un cube conique qui bave. Quand tu fais de la muscu et que l'argent vient à manquer, quand tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, il te reste une solution. Le carton de porc. Plus de 2 kilos de porc entassés dans une boîte, d'une couleur douteuse et d'une provenance inconnue. À tes risques et périls. Là, on dirait que du pontifroid. Pourquoi est-ce que je me paume toujours dans ce putain de pontifroid de merde? J'arrive jamais à me retrouver. Bon. Moi 146. Ça commence à sentir un peu le roussi tout ça, hein. Là, je vais mettre ça, ça va me calmer. Regardez-moi ce chat. On dirait une vieille crêpe éclatée sur le canapé. Vas-y, tu peux le faire. Ah non, il pue. Ah ! Alors qu'on le croyait endetté jusqu'au sang, Léo Lamal va peut-être obtenir un revenu optimal de, je vous le dis en mille, 150 euros par mois. Alors qu'hier encore, il était sur ce carreau. Aujourd'hui, peut-être une remontada historique dans le monde du football. But I remember. Ah merde. Ne l'ai jamais vu, hein, puisque pour lancer l'intro, il fallait attendre 1 minute 30 sur l'écran titre d'intro sans rien toucher. Ah. Avec d'autres aliments à indice glycémique bas. Donc par exemple des olives, des cornichons, des concombres, des tomates, des salades. Si tu veux avoir un bon entraînement, une bonne motivation, de supprimer toutes ces petites conversations de la merde là. Ça c'est de la merde, là. Tu vois, il y a des gens qui me parlent. Eh ben non. Ah, encore du poulet, hein. Connasse. Oh, regardez-moi ça. J'attends dans la voiture, comme un petit chien. Je suis devenu un petit nain. Si vous êtes un nain, t'es qu'un nain. Un nain ne parle pas comme ça. On va compter les voitures. 1. Voilà, merci. Pile à ce moment-là, il n'y a plus de voiture. Oh, il y a des voitures. 1. 2. Voilà. Oh, tu grognes. Oh, tu grognes. Elle est attirée par les métrosexuels. Elle est experte en passage et elle s'est fait piquer dessus.
récemment, elle s'est retrouvée coincée dans une poubelle. Elle déteste le shopping et elle sortit des toilettes d'un restaurant avec sa jupe coincée dans sa culotte. Tommy a 25 ans, il est fan des Spice Girls, il adore le beurre de cacahuète et il a jeté les clés de voiture de son ex dans une bouse de vache. Bah écoute, moi je pense que tu parles pas assez. Ouais. Et ça ne peut pas marcher entre nous, donc c'est né. Bus, nos cinq sirènes chauffent la voix, prêt à tout pour charmer Michael. Il avait... Fabien a 19 ans, il a déjà vomi sur quelqu'un. Il a toujours son ordinateur portable et il a peur de rencontrer des trolls. Fait chier. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se fait chier dans une voiture? Rien, par gueuler. Il doit être où ton Famas? Mais pourquoi y a pas les permanences sur toi? Tu passes par le côté. On coupe pas les fesses. Y a des ennemis mis absolument partout. Il faut 10 ans pour les tuer. Et comme si ça suffisait pas, comme dans les niveaux précédents, t'as des niveaux piégés. Ou là, genre là, expliquez-moi comment je fais. C'est impossible de ne pas tomber dans les pics. À quoi sert cette plateforme? Et admettons que tu te dises, vas-y, je me fais douleur histoire de passer. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Encore plus de pics. Mais putain là, putain de jeu. Vous voulez savoir c'est quoi le pompon sur le gars, la cerise sur le... Merde, c'est ça là. Shredder, le boss. Il est nul! Il est nul, nul! Regardez ça, il suffit de le pousser dans un coin, il ne bouge plus! Après un jeu comme ça, franchement! Bon, faites conscient que là, la situation est grave. Hein. Je m'enjaille plus tout seul dans ma voiture que des fois dans certains bars du genre les Parade. Voilà, vous vous souvenez de l'époque où j'étais un gomuscu? Eh ben, c'est fini. Aujourd'hui, je mange des trucs. Regarde ce que c'est ça. C'est une flaque. Et tu sais ce que je vais faire avec la flaque? C'est du magie. Du magie bien chimique dessus. Je vais le balancer dessus. Ah! De toute façon, Macron, il est passé. J'en ai plus rien à foutre. Voilà, j'en ai renversé. Voilà, maintenant, super. Mais moi, je préfère que ce soit Emmanuel Macron plutôt que la facho Marine Le Pen. Non, mais abusé, quoi. D'ailleurs, je me demande si je vais pas prendre ma carte chez les Insoumis. Hein. Le seul parti qui respecte vraiment le droit des travailleurs. J'ai jamais travaillé de ma vie, mais c'est pas grave. Ah, moi, je les retiens, là, ceux qui sont rentrés en politique depuis 3 mois, là. Parce que ceux-là, le jour où ils ont plus de 100 euros sur leur compte, hein, ils vont voter Fillon, hein. Ah, je vous attends, là. C'est le genre de personne qui dit qu'elle est anarchiste parce qu'elle comprend rien à rien en politique. On en a marre de vous. On en a marre. Ah, bah, je viens d'avoir un message d'une personne qui se sent visée par mes snaps. Bah oui. Vous êtes tous visés. Tous les gens qui ont voté Mélenchon. Même moi, j'ai voté Mélenchon. Là, elle m'a dit, combien ça coûte un porte-avions nucléaire? J'ai dit, non. Est-ce que vous avez demandé à Marine Le Pen? Hein, ça c'était la petite référence comique là, pour ceux qui ont un peu de culture. Oui, j'ai rangé ma chambre. Les poissons sur le canapé, c'est pas beau ça? Ah, la révolution! La révolution est en marche, mesdames et messieurs! Et moi, je vais manger mes pâtes maintenant. Mes pâtes! J'ai acheté les bananes les plus grosses du monde. Regardez celle-là! Regarde, cache ma main. Regarde un couteau à côté. Regarde ça! Bientôt 100 vues. Je vais pleurer. Vous êtes cochou. Ah, alors ça, Jérôme, il aime bien, c'est Francis Capri, là, Cabrel, je sais pas quoi, là. Petite Marie, je t'aime tellement, sous une vie en orange. Et la grand-mère est au cours, c'est pas sans la gueule, un mot, mais moi j'allais chasser les carottes dans les champs et sur la montagne. C'est moi, Renaud, et je chante comme ça. Frites maison, messieurs, dames, maison. Avec un goût de sel maison qui est fait dans une maison. Regardez, mon chat il a de la chance, il peut sortir. Je connais bien le style des bad boys de Marseille. Alors aujourd'hui, on m'a fait une remarque. On m'a dit que j'étais un petit vieux parce que je mangeais des côtes de porc avec du chou et des brocolis. Non mais sérieusement, ça veut dire quoi ça? Je suis un petit vieux parce que je bouffe pas McDo? Hein? C'est pas à moi, ça! Il y en a qui feraient bien de revoir leur définition! Leur définition, petit vieux! Et moi, je vais manger ma côte de porc! Foutez le camp! Le chef de meute n'a pas le droit d'avoir les mains molles! On fait la bourre. Regarde-moi ça. C'est de la terre. Tu sais pourquoi c'est ça? Parce que j'ai dormi. Et sont où? Sur mes bottes. Et sont où mes nains? Il est là, le nain. J'ai dormi avec un nain. Un nain!
C'est quoi ça? Oh putain! Ce soir, c'est l'année 2019. J'en ai plus rien à foutre de 2018. J'aimerais bien me pendre. Après, tu souris. Souris!